Rachel Labassy. Elle a toujours eu un grand intérêt pour le travail de la terre sous toutes ses formes. Vous le verrez dans l'exposition, on a de la terre crue, on a des argiles, on a des porcelaines. Elle a un travail très poétique et il y a toujours une rencontre avec quelque chose de beaucoup plus violent. Le travail d'Aimé, c'est avant tout un travail de dialogue. C'est un travail d'une grande authenticité, d'un grand savoir-faire. Il travaille à l'herminette. Il utilise parfois des matériaux nobles, mais aussi des matériaux pauvres tels que du bois, du triplex, qu'il travaille comme une peau. Et chez les deux artistes, ils vont traiter chacun à leur manière le territoire. Ça va être le territoire géographique et le territoire du corps. Pourquoi ? Parce que en abordant la question du territoire, on aborde les questions d'altérité, on aborde les questions d'aliénation, on aborde les questions de légitimité, de spoliation, de restitution.